Mais voilà, justement.
Donc ils les exigences سيدي عسلام لكم نشكر على طلعتنا معايا بخير نورتونا في اول ايفنت كارتاجينا في العام الجديد 2023 دونك اليوم اختارنا باش نداو حاجه عزيزه وما بيرسونيلمون عليا بالكدا اون بليس افيك تري شير امي اللي هي نايله دكتور سعد محمود وكل شيء اون ميم تون بريزونتاسيون تاع كتير دونك اللي يحكي على الهيريتاج تاعنا ان هيريتاج تري كومان برشا من الشعب التونسي دونك اون بليس اختارنا من نسمة الرسالة المزيغية دونك ان شاء الله ما تكونش اخر حدث هاي في الكادر هذا دونك هذا يمشي في الاكتيفيتي اللي تقوم بها كارتاجينا في اطار خدمتها بحثا وتعريفها بالموروث المختلف لتونس بصفه عامه ننشر له التعريف مي ايضا محاوله تثمينه والحفاظ عليه ونخليوه للاجيال اللي جايه بعدنا دونك نورتونا مره اخرى ما نطولش عليكم نخلي الكلمه للاساتذه هم اللي باش يبداوا مرحبا بكم. Eh bien, on m'a demandé de faire un bilan des études berbères et des recherches sur la berbérité dans le cadre du laboratoire du patrimoine. En fait, il ne s'agit pas d'un bilan parce qu'il n'y a pas un bilan à faire. Le bilan se fait voir comme ça que le Hanout, vous le savez. Il y a toujours des dynamiques de recherche qui vont continuer, de passer d'une promotion à une autre, d'une génération à une autre. Et, mais pas que pour moi, le bilan est valable pour moi parce qu'elle a sa carte là. C'est-à-dire que, en fait, les études berbères, je crois, à ma connaissance, il n'y a qu'au laboratoire du patrimoine que nous nous sommes intéressés à cet aspect, à cet axe des études berbères, et avec un objectif. L'objectif, c'est à la fois les études, la connaissance, mais aussi la valorisation de cet héritage. Et c'est pour cela que, je crois, le premier master, Cyrine, tu me corriges, c'était un projet de classement du village de Duirette dans le patrimoine mondial, le patrimoine de l'UNESCO. C'était l'un des premiers. Et ensuite, ça a donné la thèse sur le musée à ciel ouvert, Chneni et Duiret. On s'est intéressé d'abord au monumental. Ça a donné deux mémoires sur les Ksour, Sarjouana et les Ksour de Mirdes. Et un mémoire sur le village de Chneni, je crois, c'est Arc. Avec Dalanda.
Et ensuite, à tout ce qui est immatériel, parce que la dominante de ce qui est considéré comme étant le patrimoine berbère de Tunisie, c'était le patrimoine immatériel. Et c'est dans ce sens que, en même temps, j'ai profité d'ailleurs de mon passage au ministère de la Culture pour mettre à exécution un programme de valorisation, que ce soit pour ce qui est des potières de Sagenais, qui a été classé au patrimoine mondial, ou le couscous, qui a été classé comme patrimoine commun entre les peuples du Maghreb, les Algériens, voilà, les Marocains, ça n'a pas marché. L'UNESCO, elle s'est opposée, maintenant c'est un patrimoine partagé, ce qui est vrai, c'était un patrimoine partagé. Ou bien le monde des Tsour dans son ensemble qui vient d'être classé comme sur la liste indicative. Donc, c'est-à-dire que sur ce plan, le patrimoine berbère, d'un seul coup, il a émergé et il s'est imposé comme une composante essentielle du patrimoine culturel national. À tel point que l'on se pose la question, est-ce que ça correspond à une prise de conscience sociale ou c'est plus l'effet ou l'influence de ceux qui ont pris l'initiative, c'est-à-dire de l'université et de la société civile. La société civile amazigh. Et d'ailleurs, pour ce qui est des dénominations, au niveau officiel, on utilise le mot berbérité, que ce soit pour les femmes de Sejden, que ce soit pour le couscous, lorsqu'on parle le génie des femmes berbères. C'est écrit dans le texte d'inscription. Parce que le mot amazigh, on a pensé à un certain moment que c'est resté réservé au monde berbéro-marocain, les amazigh. Alors qu'en fait, maintenant, il tend à être utilisé d'une manière générale. Donc en fait, ce que l'université a gagné, c'est que non seulement l'émergence d'un pôle d'études berbères, à qui manque le problème cruellement, la question de la langue, c'est ce qui nous manque terriblement, ce que les Marocains ont résolu ce problème, les Algériens aussi, mais les Tunisiens n'ont pas encore résolu cette question de la langue. Même si, parce que, on considère que la langue, elle est, le parler berbère est en dépérissement, en voie de dépérissement en Tunisie. Ce qui est faux, parce que tu te rappelles, Cyrine, dans ta thèse, tu as écrit que le père André, lui, qu'est-ce qu'il a dit il y a 50 ans? Il a dit que c'est une minorité en voie d'extinction. En fait, nous sommes 60 ans après et c'est toujours la même minorité et qui parle sa langue. C'est-à-dire que il n'y a pas la langue, c'est la chose qui résiste le plus dans la culture et la civilisation d'un groupe ou d'une population. Vous voyez que la langue maltaise, elle résiste depuis des siècles, malgré la christianisation de toute la péninsule. C'est-à-dire que la langue résiste. Et il s'agit de décider comment la transcrire, dans quelles lettres, les lettres originales, authentiques. D'ailleurs, ça a été proposé par les Français, les lettres latines, en Algérie, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est-à-dire que restent des problèmes plutôt d'ordre politique et technique. Mais c'est surtout politique. Nous avons tenté de faire une brèche dans les études de la langue et nous avons j'ai moi-même dirigé un travail sur Snat, les 1000 mots berbères de Snat. C'était Tefaha, non? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a lieu de faire un lexique. C'est ça. Le projet annonce un projet de lexique des mots berbères en Tunisie. Mais on ne peut pas aller plus loin parce qu'il faut que les linguistes se mêlent. Parce que maintenant, SNI est la solution des Arabes à les Tunisiens. Et comme de dire que la langue tunisienne, le langage tunisien, il est truffé de berbères. À 30 à 40%, c'est des mots berbères. Comme si on a résolu le problème. Non, le problème reste entier. Il s'agit de faire des études de langue et de faire l'apprentissage de cette langue à l'université, comme on l'a fait pour la langue
Punique, le juif, le latin, une langue historique. Une langue historique dont on a besoin, surtout pour développer les recherches. Bah, quel usage déborde sur l'université comme un phénomène culturel légitime, on traite le problème autrement. Pour revenir aux études berbères elles-mêmes, nous avons donc touché le monumental. Or, le monumental, il est dans un état de dégradation continuelle, que ce soit les ressources, parce qu'il s'agit de propriétés collectives, donc elles sont délaissées, ou elles ont perdu leur fonction historique parce que c'était des greniers collectifs, ou les maisons troglodytes, qui sont, à part les emprunts à l'architecture touristique, c'est-à-dire qui sont délaissées. Or, les caractéristiques de ces deux architectures, c'est qu'elles riment avec la primitivité, comme si ça nous renvoie au premier temps, au temps premier, lorsque l'homme berbère, parce que berbérité là, rime avec archaïsme, lorsque le berbère habitait dans les montagnes, creusait dans les montagnes, l'homme qui creuse. Mais pour ce qui est du reste, de tout ce qui est immatériel, la dominante, c'est que finalement, la berbérité, elle a imprégné les arts en Tunisie. Parce qu'on parle du design au niveau des textiles, des décors. Le berbère est là, que ce soit le marabout ou les robes. Ou les... C'est-à-dire que la berbérité, elle a une charge esthétique très influente et très, très prégnante pour le goût des Tunisiennes et du Tunisien. Pour ce qui est du culinaire, le problème ne se pose même pas, parce que le couscous est, par définition, le plat emblématique, le plat national. Et personne ne peut douter du caractère berbère, de la berbérité du couscous. Parce que historiquement, on a même, au niveau de l'archéologie au Maroc, ils ont même trouvé les restes des couscousiers de l'époque antique, dans les montagnes berbères. C'est-à-dire que la berbérité est plus présente que l'on ne pense dans notre société et dans notre culture. Le retour à la berbérité, ce n'est pas nécessairement le retour à une langue archaïque ou à un habitat archaïque, c'est aussi aux sources de l'esthétique et de ce qui est beau dans la Tunisie et dans le reste du Maghreb. Sans parler du fait que la berbérité nous renvoie à un héritage commun, à des traditions communes, à une solidarité commune entre les peuples d'une grande ère culturelle. Lorsqu'on est berbère, on n'est pas seul. Nous sommes solidaires, naturellement, spontanément, avec d'autres peuples avec qui nous partageons la langue, nous partageons des traditions et nous partageons une destinée commune. C'est-à-dire que, contrairement à ceux qui, pour des raisons idéologiques, critique la berbérité comme étant un choix d'enfermement. Au contraire, la berbérité, c'est un choix sur la mondialisation. Ça nous ouvre sur le monde. Tout d'abord, le monde avec qui nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes éléments culturels, le monde, l'ère maghrébine, mais aussi avec le monde entier parce qu'on nous reconnaît à travers nos spécificités. Et donc, c'est l'arabité qui devient une confusion culturelle et idéologique. Mais je ne veux pas entrer dans ces polémiques, mais juste dans une logique de défense, la berbérité n'est pas un choix d'enfermement, c'est un choix d'ouverture. Et j'espère que, maintenant je suis Yana Wahbi à la retraite, j'espère qu'une nouvelle génération d'enseignants prenne en charge la responsabilité de continuer ses études et de continuer l'effort de valorisation de ce patrimoine. Et merci. La thèse de Neyla, je crois, elle est la mieux placée pour qu'elle en parle, parce qu'avec Neyla, elle est autonome. Elle vient du sud tunisien. Non. Intellectuellement, elle est autonome, ou elle est suffisamment critique, parce que ça va être clair. Ah.
Merci. Merci. Je suis très heureuse. Bon, en fait, je ne vais pas utiliser un français académique. Donc, je pense qu'on est dans un cadre un peu plus convivial. Donc, je vais me permettre d'utiliser un langage amical, on va dire. Donc, je remercie d'abord Cartagena, mais aussi cette association entre notre laboratoire et la société civile. Ça a toujours reflété un des autres esprits et facettes de notre travail au laboratoire, c'est-à-dire de ne pas se limiter aux travaux universitaires dans l'université, mais aussi parler avec la société parce que, en fait, nos sujets intéressent la société et c'est important de dialoguer avec la société, entre autres via la société civile. Pour revenir un peu à ce que disait Serhat Lahmid, c'est-à-dire que de parler un peu, peut-être pas en question de bilan, mais en question de continuité du travail que je présente aujourd'hui, en fait, qui est finalement issu de ma thèse. Une thèse qui a pris racine aux naissances à partir du master qui avait commencé mais qui a été soutenu en 2018 où moi venant de l'école des Beaux-Arts, la spécificité du master où on était inscrit à la Manouba, c'était qu'on devait trouver un sujet qui combinait notre formation de base, et moi je venais de l'école des Beaux-Arts, avec un sujet qui traite la question patrimoniale. Et je dirais naturellement, je me suis intéressée à la question de ce qu'on observait en fait dans les travaux des artistes tunisiens, c'est l'usage de ces symboles qu'on ne nommait pas d'abord à l'époque. Enfin, le mot berbérité n'était pas vraiment dans le vocabulaire scientifique. On disait oui, c'est tunisien, mais souvent on s'arrêtait à cette nomination-là. Et je commençais à me poser la question, pourquoi est-ce qu'on faisait usage de ce partie de notre patrimoine, et bien sûr, on s'approfite d'un sens dans la question. En fait, on se rend compte que c'est un patrimoine qui nous accompagne tous les jours dans notre vie, que ce soit justement dans notre langue, dans une partie de notre architecture, mais qui est absent. Ce que je disais du panthéon du patrimoine national, c'est-à-dire qu'on se reconnaît arabe, on se reconnaît ouvert sur la Méditerranée, mais on ne se reconnaît pas trop en tant que peuple autochtone qui a su évoluer, ou alors une partie de cette population qui est autochtone, qui a su évoluer, qui a su préserver une partie de son héritage, être en communication ou en partage avec les autres composantes qui ont composé ce patrimoine tunisien. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie, ça me semblait, je vais dire un truc un peu subjectif, j'étais un peu en colère contre ce patrimoine. C'est-à-dire, je me disais pourquoi il est si présent, mais en même temps, il n'y a personne pour le défendre. Et je voulais justement en comprendre. Je pense que généralement, c'est comme ça qu'on... Chacun de nous a ses propres raisons, peut-être personnelles, de comprendre, de poser une problématique dans sa recherche. Et c'était ça, c'est-à-dire c'était de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui a fait que ce patrimoine, finalement, n'est pas représenté officiellement. Mais pour pouvoir poser cette question, pour pouvoir comprendre ou avoir des éléments de réponse, il fallait que je délimite ce patrimoine. Et c'était une des difficultés majeures à dire qu'est-ce que la berbérité, ou comme on dit aujourd'hui, qu'est-ce que la mazérité, parce que la question amazir, déjà en Tunisie, le mot amazir, je pense, n'était pas très utilisé, pour ne pas dire du tout, pour ne pas prétendre dire du tout, avant 2011. Et là, il y a aussi cette question de avant 2011 et après 2011 qui sera aussi posé dans cette recherche. Donc, je disais qu'il fallait délimiter d'abord ce patrimoine dans ses composantes. Donc, il fallait un travail de terrain, il fallait un travail de revenir sur tout ce qui a été écrit sur ce patrimoine, et on se rend compte qu'on devrait remercier ce qui a été produit à l'époque coloniale, et on se dire que heureusement que ça a été...
que l'ethno, même si on a, on peut donner des, enfin, on peut avoir des réserves ou des critiques sur, sur les écrits de l'époque coloniale, mais je pense qu'on doit être reconnaissant à beaucoup de gens qui ont documenté et qui ont, j'allais dire, immortalisé des traditions, des savoir-faire qu'on ne retrouve pas souvent aujourd'hui, ou alors qu'on a de la peine à retrouver dans les pratiques actuelles de cette communauté dispersée, même si elle est toujours présente, beaucoup plus présente dans le sud-est tunisien. Et dans cet essai de définir qu'est-ce que la berbérité, il y avait aussi cette question de définir quand est-ce que la berbérité a été constituée. À partir de quelle époque on pourrait parler de berbère en Tunisie. Et c'est ma lecture de la chose, je pense qu'on a tout à fait le droit de partir de l'époque préhistorique, c'est-à-dire essentiellement des Capétiens, parce qu'on a des données, et ce n'est pas une envie comme ça de dire que voilà, je vais partir du Capétien, parce que justement, on a des données du terrain qui nous permettent de définir cela, c'est-à-dire, ça permet de parler de la question du décor et du répertoire iconographique qu'on retrouve justement dans les supports qui ont été produits à l'époque capétienne, essentiellement sur les œuvres d'autruche, sur les poteries modelées, qui nous permettent de faire cette lignée historique entre une population qui s'est installée ou qui est venue. En fait, cette question de l'origine, en fait, on en a souvent discuté, mais finalement, on se dit, est-ce important ? Est-ce important de définir le point de départ ? Finalement, c'est une culture qui s'est établie ou qui s'est construite en Tunisie, mais aussi, justement, cette dimension régionale avec l'Afrique du Nord, elle s'impose. On ne peut pas parler de la question berbère sans soulever les similitudes sur toutes les composantes de ce patrimoine-là, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Libye, même dans la partie subsaharienne, parce qu'il y a eu des échanges aussi. Et donc de partir, finalement, se dire non, il n'y a pas de point de départ, mais en fait, il n'y a pas de point zéro, n'existe pas probablement, mais il y a des données qui le permettent d'inscrire cette culture, au moins en Tunisie, au moins à partir du néolithique. Et je vais peut-être parfois faire des va-et-vient dans ce que je vais dire. Pourquoi je voulais, entre autres, faire une sorte de synthèse sur une histoire des berbères en Tunisie, parce que j'avais aussi remarqué, enfin, je ne suis pas la seule, que malheureusement, dans notre enseignement de l'histoire, dans les manuels d'histoire, eh bien, c'est vrai qu'on respecte, c'est vrai que d'un point de vue académique, on respecte les périodes, mais malheureusement, dans nos manuels, que moi-même j'avais fait, moi-même ayant fait l'expérience, je pense que je crois qu'on en a tous cette impression. C'est que dans nos manuels scolaires, on nous présente l'histoire comme une sorte de discontinuité. Il y a probablement une leçon qui traite de la question qui a été introduite après, qui parle des autochtones, mais tout de suite après, on a toujours là cette impression que la Tunisie, elle a été toujours construite par les autres. C'est les Carthaginois, c'est les Romains, c'est la culture arabo-islamique qui s'est installé, bref. Donc, moi, j'avais une sorte d'objectif, j'ai envie de dire, de ne pas renouer avec cette lecture discontinue de l'histoire, de construire un récit avec des éléments à l'appui, évidemment, qu'en fait, il y a une autre histoire à écrire qui serait l'histoire de la continuité. Même si malheureusement les documents nous manquent, même si les données aussi de l'archéologie nous manquent, mais quand même il y a des éléments, il y a des documents qui le prouvent, qui nous permettent
d'annoncer ce récit-là. On va dire que ce point-là étant résolu, il y a un autre point qui est la question des composantes de ce patrimoine, justement. Et comme disait Sir Abderrahmid, il y a, en respectant cette division, voilà, qui a été construite par l'UNESCO, c'est-à-dire de parler de patrimoine matériel et de patrimoine immatériel, monumental et immatériel, eh bien, il y a la question de l'architecture. Et on se rend compte, encore une fois, que ce patrimoine-là, il n'est pas mis en valeur. C'est vrai qu'il est autant abandonné pratiquement à quelques régions, quelques exceptions près pour quelques régions, par exemple la Chenigny, Duilet, ça a été abandonné beaucoup plus avant. Mais encore quelques villages, Gerba par exemple, reste quand même un exemple, mais c'est un exemple différent. Mais ce patrimoine-là, il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu, et là je vais faire aussi un lien avec l'autre partie où je pose la question de pourquoi un patrimoine n'est pas reconnu, parce que l'État, en fait en Tunisie, c'est l'État qui prend en charge le patrimoine. C'est l'État qui émet les lois, c'est l'État qui protège, c'est l'État qui donne les fonds. Donc, on n'a pas dans notre culture ou dans nos traditions de gestion ou de gouvernance du patrimoine un grand rôle donné à la société civile ou d'autres acteurs comme on pourrait le voir ailleurs. Donc, l'État ne s'est jamais intéressé pratiquement à ce patrimoine-là. Et même, ça a été perçu comme un fardeau, quelque part, puisque l'accès à ce patrimoine monumental il est souvent difficile, parce que c'est une architecture souvent qui est perchée sur les monts de montagne. Donc, donner l'accès à l'eau, à l'électricité, donc dans ce projet de modernisation de l'État, du territoire tunisien avec Bourguiba, la volonté était d'essayer de rapprocher beaucoup plus les populations des routes. Donc, ça a accéléré le processus d'abandon de ces villages. Même si je disais qu'il y avait quand même quelques petits villages qui ont résisté. Mais ça a accéléré ce processus-là. À l'époque coloniale aussi, bon... On peut pas dire que c'était mieux, donc mais il y a une spécificité de l'époque coloniale, c'est que le territoire du sud-est tunisien était un territoire militaire, donc on traitait ce territoire là d'une manière différente. L'accès n'est pas très autorisé parce que il y avait, enfin, comme je disais, c'est un territoire militaire, puisque en fait justement il y avait la Libye de l'autre côté, et donc il y a deux choses, en fait, par rapport à l'architecture, mais aussi par rapport aux autres composantes de ce patrimoine. C'est que malheureusement, je vais parler au niveau de la documentation. On n'a pas beaucoup de documentation, comme je disais, à part ce qui a été produit à l'époque coloniale. Mais malheureusement, l'université tunisienne ne s'est pas toujours, pour ne pas dire du tout, intéressée à documenter ce patrimoine-là, à s'intéresser, je dirais, à part quelques vraiment... travaux, mais vraiment exceptionnels. Mais la bibliographie importante, c'est celle de l'époque coloniale. Il y avait un désintérêt. C'est comme si quelque chose qui n'existait pas et qui n'intéressait pas. La question de la langue, par exemple, on n'a aucune étude au département, à aucun département de linguistique qui a au moins essayé de documenter cette langue-là. Je parle de l'époque de la pré-indépendance. Donc, ça nous fait un hiatus, en fait, au niveau de la documentation qui ne rend pas le travail facile. Même si le sujet est très porteur. Et on voit que, justement, beaucoup de gens, aujourd'hui, s'intéressent à cette question. Je ne sais pas si je dois présenter les composantes de ce patrimoine, mais... Euh, ce qui,
C'est-à-dire, j'ai envie de dire qu'il y a un travail énorme de documentation à faire. Et là, on ne peut pas le faire sans la population locale, qui doit aussi comprendre que c'est dans le partage qu'on pourrait conserver et préserver. Ce n'est pas dans le... Je n'ai pas dit... J'allais dire le mot peur, mais je pense que le mot peur est très... dans la crainte, on va dire, ou le doute. Hein? Voilà, la méfiance. Ah, je sais. Ou dans la méfiance. Si on est vraiment... si on a vraiment envie de protéger ou de conserver ou de préserver ce qui reste, il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Il faut vraiment qu'on puisse avancer ensemble. Les institutions. Oui, l'université avec la population locale, c'est-à-dire parce que des fois on est mal compris ou alors on n'est pas très. On croit que notre travail c'est comme une crainte. On a quelquefois une crainte des chercheurs qui viennent poser des questions. Pourquoi vous faites ça, comment vous faites ça, alors que nous, on contribue quelque part à valoriser ce patrimoine, à le rendre visible, à le faire comprendre. Et justement, cette question de l'appropriation sociale, ce qu'on voit aujourd'hui après 2011, on ne le voyait pas avant. C'est-à-dire que la question, comme je disais, ne se posait pas. Il y a diverses raisons, justement, qui ont fait que ce patrimoine-là, il a été aussi marginalisé parce que l'État ne permettait pas que des associations soient montées ou qu'elles avaient objectif de mettre en valeur une minorité ou à se considérer comme une question minoritaire, c'est-à-dire de parler de la berbérité, de la question berbère ou de conserver ce patrimoine-là. Et donc, je disais que ce patrimoine, si vous voulez, je vais revenir sur ces composantes. Donc, de la région du sud-est, qui est spécifique, où il y a les ressources, où il y a les troglodytes horizontaux et verticaux, comme dans la région de Matmat, qui reste un exemple exceptionnel. Il y a ce qu'on retrouve à l'île de Djerba, mais en fait, c'est aussi un patrimoine monumental qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire du pays. Il y a la question qui pourrait se poser, quand est-ce que ce type de construction a émergé? Eh bien, il y a une hypothèse qui dit que ça serait justement en fuyant l'invasion des Hilaliens, mais moi j'ai retrouvé dans beaucoup de documents de l'Antiquité qui disaient que justement dans toute la région de la Tunisie, les montagnes ont toujours été occupées et où on avait aussi développé cette manière d'occuper l'espace. Et ça permettait, en fait, c'était toujours une question de sécurité, c'est-à-dire que ça permettait de contrôler la plaine tout en restant en hauteur. Donc, dans cette continuité de repérer cette architecture-là sur l'ensemble du territoire tunisien, vous avez... par exemple, les trois villages qui se retrouvent pas loin de Nfida, donc je parle de Takrouna, Jrad et Zriba, merci, et Zriba, qui sont un exemple très pertinent qui montre que ça ne s'est pas inscrit juste dans la région du sud-est tunisien. Mais si on arrive justement à la question du patrimoine immatériel, c'est là qu'on se rend compte justement que c'est un patrimoine qui est diffus, qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire tunisien et où on retrouve encore une fois cette connexion avec l'aire géographique nord-africaine, puisqu'on retrouve par exemple dans les tatouages, dans la poterie, dans la langue. Évidemment, hier on parlait des gens de Dvilette qui pouvaient communiquer aisément avec les gens du Maroc ou de Libye ou d'Algérie. Et donc, ça montre qu'on utilise le même vocabulaire et qu'on partage. En fait, c'est un patrimoine partagé. Ce que j'ai encore envie de dire, c'est que justement, un autre point, c'est-à-dire comment ce processus de non-patrimonialisation, en fait,
a été construit. Je pense qu'une des spécificités du terrain tunisien par rapport à cette question-là, par rapport à la question en Algérie et au Maroc, c'est que là, on est différent, justement. Peut-être parce que le nombre des locuteurs berbérophones n'était pas très important. Donc, au moins, à l'époque coloniale, l'enjeu n'était pas très important. Si l'Empire français avait essayé, en fait, en Algérie et au Maroc, même si ça se rediscute aujourd'hui, en fait, dans les milieux intéressés, de jouer sur cette question de arabes berbères pour diviser la société, avec au Maroc essentiellement avec le fameux Zahir qui a été émis à l'époque coloniale, qui autorisait en fait les communautés berbères à continuer à user non pas de la charia islamique et dont voilà, mais du droit coutumier qui était propre à eux. Et ça a créé un effet de résistance au Maroc où on disait que voilà, c'est un projet de diviser la société. En Algérie, c'était en fait différent avec la Kabylie parce qu'on a évangélisé les enfants, on a évangélisé les communautés. C'était un projet beaucoup plus poussé. Et en Tunisie, on n'a pas eu ça. Je disais peut-être parce que le nombre de berbérophones, c'est-à-dire les locuteurs, n'était pas très important. On a eu un seul recensement, en fait, qui a été fait par les autorités françaises en 1922, qui donnait un chiffre approximatif de 1% de la population, un peu moins de 1% de la population. D'ailleurs, c'est le seul recensement qu'on a de cette population basée sur la langue. Et aussi, je disais, probablement aussi, parce que la région du Sud-Est était une région classée militaire, donc, elle obéissait à d'autres règles et à d'autres et à une autre logique qui était menée par l'Empire français. Et voilà. Donc, ceci dit, je disais aussi, ça n'empêchait pas que, au niveau de la production scientifique de l'époque coloniale, on avait quand même un intérêt pour cette population-là. Et évidemment, ceux qui le connaissent, il y a au moins les travaux de Gobert et d'André Luy qui sont indispensables pour comprendre et qui nous ont laissé des traces écrites, surtout des coutumes et des traditions qui persistaient jusqu'à cette date-là. Et le passage à l'époque de l'indépendance, je dirais, n'a pas amélioré les choses, si ce n'est qu'il les a un peu empirées, puisque dans ce projet de modernisation de l'État tunisien, je disais qu'on voulait moderniser la société, donc on voulait scolariser, on voulait que le Tunisien construire une nation émergente, donc l'accès à la santé, l'accès à l'eau, à l'électricité, mais un État qui n'avait pas toujours les moyens de le faire, et il y avait cette volonté de rassembler la communauté, et ça avait un effet négatif sur ces populations-là. Mais sur ce point-là, j'ai envie de nuancer et de surtout de contextualiser quelque chose. Ce qu'on a appelé une effervescence patrimoniale, c'est-à-dire nous, aujourd'hui, notre intérêt pour le patrimoine, il faut, je pense, le contextualiser dans le sens que on a hérité d'un cumul d'intérêts et de prises de conscience pour notre patrimoine. Aujourd'hui, peut-être on est plus intéressé, on est plus sensible aux différentes composantes identitaires de notre patrimoine, mais j'ai envie de dire, ne blâmons pas ou ne responsabilisons pas ceux qui étaient avant nous il y a 50 ans plus que le contexte qui était. C'est-à-dire qu'en Tunisie, par exemple, l'intérêt pour la question patrimoniale s'est fait
par le contact avec la communauté internationale et essentiellement grâce à l'intervention de l'UNESCO en Tunisie. Les premières années ou les premières dizaines d'années, l'objectif, c'était, comme je disais, c'était de moderniser l'État. Et pour la question du patrimoine berbère, comme pour d'autres composantes de notre patrimoine, et l'exemple le plus fameux qu'on sort souvent, c'est l'exemple de la Médina de Tunis, où Bourguiba avait envie de moderniser la Médina, donc il avait ce projet de diviser la Médina, mais en fait, c'est pour permettre une meilleure circulation à la Médina, et c'est comme ça qu'on a eu la SM. Je ne sais pas si vous connaissez tout l'historique de cette histoire-là, et ça, c'est comme ça qu'on a eu la SM, c'est-à-dire l'Association de sauvegarde de la Médina de Tunis, où beaucoup d'intellectuels tunisiens se sont mobilisés pour dire que non, il faut stopper ce projet-là de Bourguiba. Et c'est grâce à des appels à l'international qu'on a eu cette réaction-là et que le projet finalement n'a pas abouti. Sinon, aujourd'hui, la Médina ne serait pas comme elle serait aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis il faut quand même contextualiser les choses pour ne pas aussi tomber dans des jugements qui seraient pas vrais ou qui seraient pas justes. Et je reviens à l'exemple de l'héritage berbère. Par exemple, à Médine, où on a perdu un des plus grands sourds de plaine, même s'il est, de plaine, c'est-à-dire qu'il est plus récent que les autres, mais ça s'inscrivait dans ce projet de rendre les villes peut-être plus praticables, plus saines et plus confortables. Parce que si aujourd'hui on se plaît à passer un week-end ou une semaine dans les sourdes du Hirek ou de Chnini, je pense que ces populations-là, ils ont tout à fait le droit aussi d'avoir le minimum de confort que tout Tunisien a dans une ville moderne. Ça reste quand même une responsabilité de l'État, mais c'est quand même, je pense que c'est quand même quelque chose à mettre dans son contexte. La question de l'arabisation, c'est-à-dire aussi, ça s'est fait aussi via l'école primaire, où justement... je pense que ce n'est pas spécifique à la Tunisie, encore une fois, où il fallait, j'ai envie de dire, uniformiser le langage utilisé par le Tunisien pour accéder au savoir. Donc, quand dans le village de Chnini ou de Duilet ou de Jelba, où les enfants, jusqu'à l'âge de 5 ans, ou alors jusqu'à, pour pas mal de communautés, ou jusqu'à le jour, ils n'ont pas mis leurs pieds dans l'école primaire et ne parler que la langue privée, c'est-à-dire la langue berbère, il y avait quand même une sorte de violence, je dirais, qui était pratiquée par l'État, où on n'a pas le droit de pratiquer sa langue maternelle, mais on devait justement passer à l'usage, à l'apprentissage de cette langue-là. C'est vrai que ça a laissé des séquelles dans les quelques entretiens que j'ai menés ou que j'ai écouté avec cette population, ça laisse des séquelles parce que c'est vécu comme une violence. Quand on n'a que 5 ans et demi, 6 ans, et que votre instituteur vous met dans une situation embarrassante, on va dire, ce n'est pas très bien vécu par l'enfant de l'époque, et ça laisse des séquelles. Mais il y a aussi d'autres formes de violence qui étaient pratiquées par l'État, où c'est des choses peut-être que vous avez entendu parler après 2011, mais c'est des choses qui ont toujours existé avant. On interdisait, par exemple, de donner des noms qui ne sont pas arabes à ses enfants. Ou d'utiliser des mots dans les enseignes et tout ça. Mais j'ai envie de rejoindre ce que disait Serge Dahmid, justement par rapport à la question de la langue, c'est qu'on a un problème, justement. On a un problème au niveau de l'université, mais au niveau de comment conserver cette langue-là. Parce que moi, je pense que c'est un devoir de le faire. Et si on ne trouve pas, il y a différents obstacles. Il y a comment d'abord écrire cette langue-là, comment la documenter.
Est-ce qu'on peut utiliser l'expérience qui a été faite au Maroc ou en Algérie? Est-ce qu'on pourrait trouver une autre solution? Mais aussi, si au niveau de l'université, on n'a pas des berbérophones, on n'a pas des chercheurs qui sont berbérophones. Ça pose problème, on ne peut pas documenter une langue qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est un autre problème. Donc, au niveau de l'université, mais aussi au niveau de l'État, hein, parce que c'est au ministère qui travaille sur la question, notamment le ministère des Affaires culturelles, qui ont pour mission ce point-là, par exemple. Et d'ailleurs, ça s'applique sur d'autres langues minoritaires en Tunisie. Si j'ai envie de continuer sur cette question de ce non-processus, donc il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait que cet héritage-là ne soit pas reconnu comme patrimoine. Et il y a aussi, à mon sens, un facteur important, c'est la communauté en elle-même. Parce qu'on ne peut pas protéger un patrimoine sans la participation de la communauté. Et avant 2011, je ne sais pas si on pourrait dire qu'il y avait une communauté de gens berbérophones ou alors issus de cette culture qui avaient une conscience ou même s'ils avaient une conscience, ils n'avaient pas peut-être, souvent, comme ils le disent, une liberté d'agir, comme je le disais, parce qu'il y avait une répression, même si elle n'est pas vraiment déclarée, de l'État, de ne pas mettre en valeur, de ne pas travailler sur ce patrimoine-là et de ne pas le mettre en valeur. Et là viendra le tournant de 2011, où je dis souvent, les Tunisiens se découvrent berbères et découvrent cette berbérité. J'ai presque envie de dire qu'on est passé du noir au blanc, ou à toutes les couleurs, si vous voulez. On a eu des associations qui ont été montées, plusieurs d'ailleurs, et même des associations régionales, c'est-à-dire qui s'intéressent à un village précis, et d'autres associations qui ont pour objectif plus global, c'est-à-dire de préserver ce patrimoine-là. Et c'est grâce à cette dynamique-là qui a été portée par la société civile qu'aujourd'hui, il y a eu cette tentative, il y a eu une sorte de lobbying par la société civile et plusieurs acteurs pour pousser l'IMP, le ministère des Affaires culturelles, pour proposer justement le dossier d'Ersoul sur la liste indicative du patrimoine mondial, que finalement le sujet, la poterie, mais là on ne dit pas que c'est berbère dans le titre justement, c'est le savoir-faire des femmes de Sagenais, le savoir-faire lié à la poterie des femmes de Sagenais. Donc on est encore assez hésitant pour reconnaître un peu, bon, dans le texte de présentation, dans le dossier on le cite, mais pas dans le titre. Et même dans la question des Ersoul, c'est le monde d'Ersoul, un truc comme ça. C'est pas, on a encore du mal à assumer cette berbérité ou amazérité. On pourrait faire usage des deux mots, si vous voulez. Et c'est ce que dans cette recherche, on a essayé de montrer, c'est-à-dire que comment d'abord cette non-construction s'est faite, mais aussi de donner les premières tentatives pour que ça aboutisse. Le travail de repérage s'arrête en 2017, mais de 2017 à aujourd'hui, quand je vois hier, par exemple, le nombre d'événements qui ont été programmés autour du Nouvel An à Mazir, ça montre tout l'intérêt qu'il y a aujourd'hui autour de cet héritage-là. Et c'est une appropriation qui devient vraiment partagée.
Ce qui est bien, c'est que ça ne reste pas au sein de la communauté, c'est-à-dire que ça dépasse le cercle communautaire un peu fermé pour questionner ou pour s'approprier, j'espère que c'est une vraie appropriation, pour s'approprier cet héritage-là, mais c'est, je reviens à la question des récits historiques, mais aussi pour renouer avec un récit historique du Tunisien où ils sont tirés qu'il y a une continuité. On n'est pas dans la discontinuité, il y a une continuité entre eux et qu'il y a une partie de son histoire, de son identité qui a su résister ou qui a su traverser tout ce temps-là. Et je pense que je vais m'arrêter. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des questions. Je sais pas qui va. Par rapport à, au risque de jugement de valeur sur l'échec de l'État, l'échec des politiques publiques. En fait, il faut savoir contextualiser. Tu as essayé de le faire, mais il faut pousser plus loin. Lorsqu'on parle de la politique de Bourguiba vis-à-vis des villages berbères, en fait, ce n'était pas la berbérité qui l'a quitté. C'était le fait qu'ils soient percés dans des villages percés. Et c'était surtout la région de Gafsa, là où il y a, là où il y avait des résistances armées et où les Ousfistes commençaient à occuper des positions dans les montagnes. Donc, il les a fait descendre des montagnes, les populations. Il a construit. Qu'est-ce qu'il a construit ? Des écoles, le poste de police ou de la garde nationale, le dispensaire de la santé publique et un petit village au pied des montagnes. Donc, il a tenu à ce que les gens soient dans la plaine. Donc, ça a été une politique systématique de Bourguiba. Bien sûr, le patrimoine importait peu. D'ailleurs, même l'idéologie mondiale n'était pas patrimoniale. Le patrimonialisme ou l'idéologie du patrimoine est venue des décennies après. Et c'est maintenant qu'on peut dire qu'il y a une mondialisation à travers la standardisation de la notion de patrimoine, qui est devenue une catégorie essentielle dans la promotion des politiques culturelles de tous les pays, y compris l'Arabie saoudite. Ils ont classé au patrimoine mondial des sites qui étaient considérés, il n'y a pas longtemps, des sites de mécréants. Voilà, il y a une concurrence entre États pour rivaliser au nom du patrimoine. Ça, c'est très récent. Donc, contexte, les années 80, la question de... Tu as évoqué le rôle des intellectuels de Tunis. C'était le théâtre national. À certains moments, il allait être rasé. C'est là où il y a eu la pétition qui est sortie du café, du fameux café L'Univers, pour défendre le théâtre national comme monument historique. Et ça a été classé. Ça a été classé les années 80, 83 ou 84. Et c'est à partir de ce moment-là qu'est née justement l'association de sauvegarde de Médina. Donc, chaque contexte, sa politique. Et le patrimoine a eu sa chance des années 80 et des années 90. Et à la suite du patrimoine mondial, notamment de Carthage, parce qu'il y a eu les fouilles à Carthage, l'appel de l'UNESCO à valoriser et à classer le site de Carthage, c'est dans la suite que les médinas
c'était la même année, le classement de Carthage en 1979 et le classement de la Médina de Tunis en 1979, la même année. Salut à vous, bonne année à Mazir. Dites-vous un bon nouvel an pour tous les Tunisiens. Pour la question du patrimoine, parce que nous sommes un peuple autochtone et notre patrimoine est surtout immatériel plus que matériel. Surtout, je parle ici de la langue. La langue mazir ou le berbère, elle est encore vivante. Il y a encore des locuteurs. Mais la question, c'est la négation officielle de l'État. Après 2011, il y a eu des associations, comme vous avez dit. On a essayé d'enseigner, parce que par le moyen de voir, personnellement, j'ai